On vient en Croatie pour ses plages, son patrimoine historique et culturel, mais aussi juste pour faire la fête. Dans cette maison, il est à peine 14h et ce groupe d'amis nantais est déjà dans les starting blocks. Ah bah là, il est frais. Laura, 26 ans, est esthéticienne. Jérémy, 28 ans, artisan tuyauteur. Tiens, prépare l'apéro pour être en forme cet après-midi. Il y a aussi Thomas, pâtissier, et Johan, maçon, 28 ans tous les deux. Et enfin Vanessa, 27 ans, chargée de ressources humaines. Un petit verre, et après c'est bon. On est chaud. On va trinquer, Tommy, on t'attend pour trinquer. Ça a goûté. À une bonne journée qui s'annonce. Oui. Bon. Vanessa est enceinte. C'est la seule qui ne boit pas d'alcool. C'est pas mon verre. C'est ton verre. Je vais pas manger. Cette bande d'amis est venue en Croatie pour une raison bien précise. Fête. On va boire un peu en tout cas. Non, c'est léger. C'est léger. On se prépare. Allez. Qui veut des petits accessoires? Bon, j'ai peut-être des lunettes. Vous avez qui a des lunettes, là? Non, moi, j'en ai pas. Moi, je préfère les jaunes. Et ici, avant chaque soirée, on soigne son look. C'est un bracelet. C'est un bandana. Ah, ouais, c'est un bracelet. N'a pas trop de dress code. L'idée, c'est vraiment d'être coloré. C'est le soleil. On se prend pas tête. Derniers ajustements. Et la touche finale. Allez. C'est parti. L'île de Pâques est à nous. Vous êtes chaud? Chaud bouillant, mais c'est pas. Vanessa, la capitaine de soirée, emmène ses amis sur le lieu de la fête à une heure de route. Direction Pâques, une île réputée pour ses soirées enflammées. Sur le sable de Zorche Beach, pas moins de 5 discothèques à ciel ouvert pour danser 24 heures sur 24. Les Nantais iront ici, au Noa Beach. Posé sur l'eau, c'est le club le plus tendance du moment. À peine arrivé, le groupe est tout de suite mis dans l'ambiance. Sur 2000 mètres carrés, bienvenue dans le temple de la fête croate. Autour, tout est prévu pour occuper la jeune clientèle, de jour comme de nuit. Musique à gogo jusque sur le sable, farniente pour reprendre des forces, session de jet ski et l'attraction qui fait monter l'adrénaline, le saut à l'élastique, depuis une nacelle accrochée à une grue. Elle a sensation quand t'es haut. Putain, moi je le ferai jamais. C'est impossible. Jérémy, l'amoureux de Vanessa, lui, hésite. Tu sais pas? Bah vas-y. Après réflexion, Jérémy est prêt à se lancer. Tu le fais? Tu le fais aussi? Oui. Au moins t'auras sauté à l'élastique. Ouais. Dans un instant, Jérémy va connaître le grand frisson à 50 mètres de hauteur. T'as pas besoin de ça, je crois. C'est un malade. Et là, c'est le moment où tu stresses, tu te dis putain. Ah, ça déboîte! Ah là 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 là! Ça déboîte! Ça y est, il l'a fait! En Croatie, c'est beau! Oui. Et good, hein, franchement, bien! Excellent! La journée commence avec les sensations fortes et elle est loin d'être finie. Pour le groupe de Nantais, il va falloir tenir toute la nuit. Pour le groupe de jeunes Nantais, la fièvre est au rendez-vous.
Chaque jour ici, 4000 fêtards venus du monde entier se trémoussent sur la piste. Pour faire de ce lieu celui de toutes les folies, de mai à septembre, plus de 130 salariés s'activent. DJ, barmen, danseuse, côté coulisses, séance maquillage. Karina, 24 ans, fait partie des 10 danseuses qui se relaient sur les podiums. Originaire de Roumanie, elle a été retenue après un casting. C'est la deuxième année qu'elle danse ici et elle reviendra. Pour être honnête, j'adore venir ici. D'habitude, dans ce genre de boîte, c'est très dur d'être une danseuse. Les gens vous prennent vite pour une call girl. En plus, la Croatie est un pays magnifique. Vous ne pouvez que l'aimer, c'est incroyable. Au programme pour Karina, 6 passages de 20 minutes. Maintenant, je suis prête à aller sur scène. Si vous voulez me suivre. Pour elle, une seule consigne, enflammer le public. Pendant ce temps-là, dans l'un des 11 bars de la boîte... On va prendre un Cuba Libre, un bon burrito. On a sauté le dernier, c'est bien. Les prix sont quand même attractifs, on va dire. Oui, il y a moyen. Et il y a quoi là-dedans? Un Cuba Libre, un Coca. C'est bon, tu vas voir. 190 kunas, soit environ 25 euros pour un litre de cocktail. Sur scène, les DJ enchaînent et assurent le show. Au milieu de la piste, venus en Croatie pour vivre ces instants, les jeunes Français ne sont pas déçus du voyage. Pour une première, c'est plutôt pas mal pour moi. Hein, je dis, faut venir une fois dans sa vie. L'ambiance, la musique, le son, c'est parti. Sur des rythmes électro, les Nantais vont se déhancher jusqu'au bout de la nuit. Tout se terminera bien. Vanessa ramènera le groupe au petit matin.